we don't praise for the glorious gift of His love and the blessing that allow our day in the sweet, in the sweet. By and by, by and by, we shall meet on that beautiful shore in the sweet. By and by, we shall be on that beautiful shore. In the sweet, in the sweet. 18 number 51. By and by, we shall be on that beautiful shore. In the sweet, by and by. Down at the cross where my Savior died, now where for cleansing from sin I cry. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Oh, glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. Alleluia. Death to my heart was the blood applied. Glory to His name. I am so wondrously saved from sin. Jesus so sweetly abide with me. At the cross where He took me in. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. Glory, glory to His name. Glory to His name. Alleluia. There to my heart was the blood applied. Oh, precious fountain that saves from sin. I am so glad I have met Him. There Jesus saves me and keeps me clean. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. Glory, glory to His name. Glory. Hallelujah. There to my heart was the blood applied. Hallelujah. Glory to His name. Come to this fountain so rich and sweet. Cast a poor soul at the Savior's feet. Plunge it today and be complete. Glory to His name. Oh, glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. Alleluia. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Alleluia. Blessed be the name of the Lord, amen. God bless you, amen. I greet you this evening in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Je vous salue ce soir dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus Christ. Once more again, we are so happy to be in the house of the Lord, amen. Une fois de plus, nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. I will invite you to take our Bible. Je vous inviterai. Take our Bible in the first book of Timothy. De prendre nos Bibles dans 1 Timothée, chapter 3, chapitre 3. I will start by the first verse, up to 14. Je vais commencer à partir du premier verset.
Say, this is the true saying, if a man desire the office of the bishop, he desire a good work. A bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behavior, given to hospitality, up to teach, not given to wine, not struck, not greedy, of filthy lucre, but patient, not a braveler, not conversion. One that rule well his own house, having his children in submission, which all gravity. For if a man know not how to rule his own house, how shall be taken care of the church of God? Not a novice, lest being lifted up with pride, he fall into the condemnation of the devil. Moreover, he must have a good report of them which are without, lest he fall into reproach and the snares of the devil. Likewise, must the deacon be grieved, no double tongue, no given to much wine, no greedy or filthy like his. Okay. We shall pray the Lord. Let's pray. Dear Father, bless your word. Seigneur Jésus, bénis ta parole. Let the Holy Spirit, que le Saint-Esprit, anoint your word, Father. Oindre cette parole, Père. Speak unto us. Parle-nous. As we're expecting unto you. Comme nous attendons de toi. In Jesus Christ's name. Au nom du Seigneur Jésus Christ. Amen. Amen. God bless you. You may sit it. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous mettre. We continue with the church order. Nous continuons avec l'ordre de l'église. Last Sunday we spoke about the guide of our souls. Le dimanche passé, nous avions parlé du guide de nos âmes. We see that everywhere in the lifetime, voyons que partout dans la vie, you must have a guide. Vous devez avoir un guide. You must have a leader. Vous devez avoir un conducteur. Someone have to lead you. Quelqu'un qui va vous conduire. On the spiritual realms, dans les domaines spirituels, God is our leader. Dieu est notre conducteur. The Holy Ghost is our leader. Le Saint-Esprit est notre conducteur. It's the Holy Ghost who leading the church. C'est le Saint-Esprit qui conduit l'église. The church of the living God is led by God himself. L'église de Dieu vivant est conduite par Dieu lui-même. And we spoke how God led the angel in heaven. Et nous avions parlé comment Dieu dirigeait les anges. And what brought the split there in heaven? Et ce qui a mené la division là aussi. It was because of the jealousies. C'était à cause de la jalousie. Because of the hatred. À cause de la haine. And Satan took 30 of the angels from a pris deux tiers des anges de Dieu. And we went deeper for that, man. Et nous sommes allés en profondeur avec ça. Today I'm going to speak about the leader in the church. Aujourd'hui, je vais parler du conducteur dans l'église. I will speak about the office of the pastor. Je parlerai de l'office du pasteur. That you may understand what means a pastor. Afin de comprendre c'est quoi what the authority that the pastor had. Quelle est l'autorité que le pasteur and a. What the work of the pastor in the church. Quel est le travail du pasteur dans l'église. What the criteria to be a pastor. Quels sont les critères d'être un pasteur. Then you may know all those things. Afin que vous compreniez toutes ces choses. Amen. Amen. And I will speak about the office of the pastor. Je parlerai de l'office du pasteur. Is the church order by the office of the pastor. L'ordre de l'église mais avec l'office du now, pasteur. Now what means a pastor? Maintenant, que veut dire pasteur? It means a shepherd. Cela veut dire un berger. Amen. A feeder. Celui qui nourrit. Someone that feeding a group of the men and the women. Quelqu'un qui nourrit un groupe des hommes et femmes. Of which the Holy Spirit has made him an overseer. Auquel le Saint-Esprit lui a placé surveillant. Is a shepherd. Il est le berger. Is a feeder. Il est celui qui nourrit. Amen. You are not a pastor without a sheep. Vous n'êtes pas pasteur sans brebis. You are not a pastor without a group of people that you're leading. Vous n'êtes pas pasteur sans pouvoir avoir un groupe de gens que vous and conduisez. The people that you're leading. Et les gens que vous conduisez. That the Holy Ghost gave you those peoples. Que le Saint-Esprit vous les a donné. You are not a pastor. Vous n'êtes pas pasteur. If you don't have a church. Si vous n'avez pas une église. You are not a pastor of God. Vous n'êtes pas un pasteur. If you are not led by the Holy Spirit. Si vous n'êtes pas conduit par le Saint-Esprit. Alleluia. Alleluia. That means a pastor. C'est ce qui veut dire pasteur. He's a shepherd. Il est un berger. Amen. Amen. Brother Branham said that. Frère Branham dit ceci. And the preaching God had explained it. Dans la prédication, la divinité Dieu expliquait. Preached on 25 April 1961. Prêché le 25 avril 1961. Yeah, quote 51. Paragraphe 51. And he said this. Il dit ceci.
This is of course Paul speaking, which we all as ministers like to refer back to him. Ça, c'est ce que Paul est en train de parler, bien sûr que nous tous nous devons nous référer à cela. I just read on the middle. Je lis au milieu. We in one echo believe that he was the apostle to the Gentile church. Étant en commun accord, nous croyons qu'il était l'apôtre de l'église des Gentils. That God called him to be witness to the Gentiles. Que Dieu l'a appelé à être témoin pour les Gentils. And his ministry had been called into question. Et son ministère a été appelé pour se poser. And usually anything that is usually springs up. Et quelque chose qui est souvent d'inhabituel. It's called into a question. Cela amène les gens à se poser des questions. I think it is no more than right. Je pense que cela ne rien d'autre que juste. It should be called into a question. Cela devait être appelé à une question. I think that the pastor sometimes has suspicion of things that they hear. Le pasteur, je pense parfois, il suspecte les choses qu'ils écoutent. And I think they have a right to be. Et je pense qu'ils ont le droit de le faire. Because if I understand the translation of the word pastor, parce que si je comprends bien la traduction du mot pasteur, it means a shepherd. Cela veut dire un berger. And a shepherd, therefore, et par contre, is a feeder of the feeders. Il est celui qui nourrit. And a head of a group of men and women of which the Holy Spirit has made him the overseer. Il est le conducteur d'un groupe d'hommes et femmes auquel le Saint-Esprit l'a placé surveillant. Amen. And he has the right to know what kind of the food his sheep is getting. Et il a le droit de connaître quel genre de nourriture que les brebis ont. Where is coming from? Et d'où cela vient? I think he has the right to that. Je pense qu'il a le droit pour and ça. And if a pastor or sometimes people will seem to be just a little bit suspicious. Si parfois les pasteurs, ou les autres peuples pourraient être peut-être suspectés. That doesn't should not bother anyone. Cela n'embêterait personne. It should only bring a respect to a man's heart for a man. Et quelqu'un doit avoir du respect dans son cœur pour cet homme. That standing that will question. Qui va se tenir là en se posant des questions. A pastor is a feeder. Le pasteur, c'est celui qui he must know what kind of the food that the sheep have to eat. Il doit connaître quel genre de nourriture que les brebis ont. And the prophet says again that the pastor is a special man. Et le prophète dit que le pasteur c'est un homme spécial. He's a special person. C'est un homme spécial. That's why when you call someone your pastor, c'est pourquoi quand vous appelez quelqu'un votre pasteur, you must know in that church, vous devez comprendre que dans cette église, the special person is the pastor. Que la personne spéciale c'est le pasteur. Hallelujah. And the duty of the pastor, et le devoir du pasteur, they have to stand before the people. Il doit se tenir devant les gens. Amen. Amen. Speak on the people in the way that they may understand him. Parlant aux gens de la parole en fait qu'ils comprennent. If there is any problem, s'il y a un problème, the pastor have to stand. Le pasteur doit se tenir. Between the two groups of the people. Entre les deux groupes de gens. And to reconcile those two groups of the people. Et de réconcilier ces deux groupes de gens. He mustn't take side of one part of the people. Il ne peut pas prendre l'autre partie du groupe. That is the duty of the pastor. Ça c'est le devoir du pasteur. Amen. He have to do that wherever God puts him. Il doit le faire partout Dieu le place. And the prophet said he is a burden bearer. Le prophète dit qu'il est le bœuf d'attelage. And he is the horse of the team. Il est celui qui est la tête du groupe. And he is the man that can sit down. Il est l'homme qui peut s'asseoir. Somebody got some things against somebody else. Voir que quelqu'un a quelque chose contre quelqu'un d'autre. And sit down with them two families. Et s'asseoir avec eux les deux familles. And take near the side. Et de ne pas prendre part. And reason it out and bring it right back into the sweetness. Et la raison en est qu'il les amène tous à un commun accord. He is the pastor. Il est le pasteur. He knows how to take care of the things. Il sait comment prendre soin des choses. That's why brother and sister. C'est pour frères et sœurs. If you call someone your pastor, si vous appelez quelqu'un, you may know the work that is doing in the church. Comprenez vraiment ce qu'il fait dans l'église. Amen. And you must have faith to your pastor. Et vous devez avoir foi en votre pasteur. Does it matter how the people are undermining the pastors? Peu importe comment les gens le minimisent. You must have faith to your pastor. Vous ayez la foi en votre you pasteur. You must believe to your pastor. Vous croyez votre pasteur. You must God respect to your pastor. Vous devez respecter votre pasteur. And knowing that he's a man sent from God. Connaissant qu'il est l'homme envoyé de Dieu. To lead your life. Pour conduire votre vie. And the pastor is there to help the people. Et le pasteur est là pour aider les gens. If you don't have faith to the man, si vous n'avez pas la foi en l'homme, God also cannot help you. Dieu aussi ne peut pas vous aider. And you must
100% person behind your pastor. Et vous devez être à 100% derrière votre pasteur. You must have faith to your pastor. Vous devez avoir foi en votre pasteur. As a man of God, comme l'homme de Dieu. And stand behind him as a 100%. Et être derrière lui à 100%. Not at 90%. Pas à 99%. Not at 50%. Pas à 50%. But you must be 100% behind him. Vous devez être à 100% derrière lui. If it you are not, si vous ne l'êtes pas, it's better to choose any pastors. Il serait mieux de choisir un autre pasteur. You know, in the church, savez, dans l'église, there's not two heads. Il n'y a pas deux têtes. It's only the pastor that is the head of the church. C'est mal le pasteur qui est la seule tête. Alléluia. Alléluia. You cannot be in the church. Et vous ne pouvez pas être dans une 50% à 50% or 80% ou 80%. Another person that you give to another bishop. Et l'autre pourcentage vous donnez un autre no, bishop. Brother. Non, brother. Frère. That person cannot do any good for you. Cette personne ne fera rien de bon dans votre if vie. If you are not united in si the church, vous n'êtes pas unis dans l'église. If you don't believe in your pastor, si vous ne croyez pas à votre pasteur, amen. You leave a loop somewhere. Et vous avez un peu de laisser aller. And Satan part. Will get in. Et Satan entrera. He will destroy you. Il va vous détruire. Alleluia. It's better to have a trust to the man. Il serait mieux de faire confiance à l'homme. Because the pastor is the angel of God to the church. Parce que le pasteur c'est l'ange de l'église. He's the messenger. Il est le messager. God put the pasteur in the church. Dieu a placé le pasteur dans l'église. To be his angels. Pour être son ange. He's the messenger for that church. Il est le messager pour cette église. He's the representative chief of God in that church. Il est le représentant de Dieu dans cette église. That's why you have to stand with him. C'est pourquoi vous devez être avec lui. 100%. À 100%. You know when he's standing behind the pulpit. Vous savez quand il se tient derrière la chair. He's the messenger of God. Il est le messager de Dieu. Hallelujah. Amen. And the people who believe unto his ministry. Et les gens qui croient à son ministère. God is obligated to bless them. Dieu est obligé de les bénir. Hallelujah. Hallelujah. Because if you believe to man. Parce que si vous croyez à l'homme. You have faith to the man. Vous avez la foi en l'homme. You cannot undermine him. Vous ne pouvez pas le minimiser. You cannot say something bad against vous him. Vous ne direz pas quelque chose de mal contre lui. Although that person is a feeble. Bien que cet homme a des parties faibles. Remember the pastor is like you, he's a human being. Rappelez-vous le pasteur comme vous, c'est un être humain. He got his failing parts. Il a aussi des parties faibles. And God also is taking care of him. Et Dieu aussi prend soin de lui. Because him also is under the anointing of the Holy Spirit. Parce que lui aussi il est sous l'onction du Saint-Esprit. He's under the leadership of the Holy Spirit. Il est sous la conduite du Saint-Esprit. You cannot be in the church. Vous ne pouvez pas être dans l'église. Speaking against your pastor. Parlant en mal du pasteur. No, that person cannot do anything. For non, you. Cette personne ne fera rien de bon. Remember, he's the person who praying for you. Rappelez-vous, il est celui qui he's prie the person pour vous. Who, when you are sick, he's coming to you. Il est celui quand vous êtes malade. When you got a problem, he's coming quand to you. Quand vous avez un problème, il vient. You cannot speak against your pastor. Vous ne pouvez pas parler contre votre pasteur. Oh, today Christians. Oh, aujourd'hui les chrétiens. They are saying anything. Ils disent n'importe quoi. You can come in the church. Il peut venir à l'église. You are a poor person. Il était une personne pauvre. Et Dieu est pasteur, pray for him. Un cher passé à prier pour he lui. Stand close to him. Il est resté tout près by de lui. By prayer and doing everything by supplication. Et dans la prière et supplication. Once God bless that person. Une fois la Dieu bénit la personne. You go away. Il fuit. He said, I'm not no longer going to that church. Et moi, je n'irai plus dans cette église. There is a better church in Nigeria. Il y a des bonnes églises en Nigeria. There is a better church in the United States. Il y a des bonnes églises aux États-Unis. I better choose that church. Il serait mieux de choisir une this église pastor là-bas. Here is a powerless. Cet passé ici est sans puissance. God is no longer with him. Dieu n'est plus avec lui. But the way that you are now. Mais la manière dont what vous êtes you are today, c'est que vous êtes aujourd'hui. It's what that pastor did in your life. C'est ce que ce pasteur a fait dans votre alleluia, vie. For you to be blessed, pour vous d'être béni. For you to get married, pour vous de se marier. For you to have even a food, pour vous d'avoir même la nourriture. There is someone that was praying for you. Il y a quelqu'un qui priait pour vous. Alleluia. And alleluia. That pastor, et ce pasteur, is all done by God. Il est ordonné de Dieu. He was praying for you. Il priait pour vous. Today the little things that you got, aujourd'hui les petites choses que vous avez, I got nothing. I n'a rien. No, the people they have to say. Ah, les gens même disent. Yeah, there is no God. Là, il y a pas Dieu. The reason I left the Shalom Tabernacle. La raison pour laquelle j'ai quitté because le Shalom God tabernacle. Is no longer with Pastor Jacques. Dieu n'est plus avec who Pastor told Jacques. You so? Qui vous a dit God ça? Is always with his servant. Dieu est toujours avec ses serviteurs. Hallelujah, the church of living God. L'église du Dieu vivant. He shall continue. Continuera. As long as God is in the church. Aussi longtemps que Dieu dans son église. Hallelujah. Hallelujah. God will work mighty in his church. Dieu travaille dans sa puissance. You know what Madame said? The unbeliever could not stop God.
L'incrédulité n'arrête pas Dieu. You only stop the person that is saying that. Cela arrête l'incrédule. You only stop the unbeliever. Cela arrête l'incrédule. Amen. Amen. In the preaching, the Hebrew chapter 7, dans part 2. Hebrew chapter 7, part 2. Church orders. Dans l'ordre de l'Église. Preaching on 32nd September 1957. Church orders. L'ordre de l'Église. Sorry. Hebrew chapter 7, page 2. Plutôt Hébreux chapitre 7, page 2. Preaching on 22nd September 1957. Prêché le 22 septembre 1957. Page 348. Paragraphe 349. The prophet said this. Le prophète dit. And you people with the so-blood tempers. Vous les gens à tempérament colérique. That always is putting off in the mouth or at somebody's. Et qui parlait toujours avec. Devant quelqu'un. Can't put up and things like that. Et vous ne pouvez pas arrêter des choses comme ça. The prophet say, be careful. Le prophète dit, faites attention. You are guilty of you if you speak a word against your brother that's not right. Vous êtes coupable si vous parlez en mal de votre frère. Cela not pas just. C'est pas juste. Go around and tear down. Et allez tout autour et le déchirer. You speak something against your brother. Vous parlez contre votre frère. Something that is not right. Quelque chose qui n'est pas correct. And you're going house after house. Et vous allez de maison en maison. Tearing down. Les déchirer. Destroying that person. Détruisant la personne. Listen what Brother Branham said. You don't have to stick a knife in a man's back to kill him. Vous ne pouvez pas prendre le couteau et poignarder la personne au dos pour le you tuer. Can break his character. Vous pouvez détruire son caractère and kill him. Et le tuer. Kill his influence. Tuer même son influence. Speak against your pastor here. Parlez contre votre pasteur. Say sometimes bad about him. Dis parfois quelque chose en mal contre lui. Say something bad against him. Dis quelque chose contre lui en mal. You just may as well have shot him. Il serait mieux même que vous le fusiez. Told some things that wasn't right about him. Et dit quelque chose qui n'était pas correct. Well, he will kill his influence with the people. Et cela tuera son influence au milieu des and gens. And things like that. Et des choses comme ça. You are guilty of it. Vous êtes coupable de cela. Now today, many servants of God. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu. They read the scripture. Ils lisent l'écriture. For their own condemnation. Pour leur condamnation. You understand? Vous comprenez? You are a pastor. Vous êtes un pasteur. You are a leader. Vous êtes but you're going around mais vous allez tout tearing down your brothers, déchirant votre frère, destroying his characters, détruisant son caractère, destroying his influence, détruisant son influence. You call yourself a pastor. Et vous vous appelez vous-même you are a false pastor. Vous êtes un faux pasteur. Because a true pastor parce from God, un vrai pasteur de Dieu, sent him by the Holy Spirit, envoyé par le Saint-Esprit, he cannot do that. Ne peut pas faire ça. He cannot talk bad against his brother. Ne peut pas parler en mal de son frère. Because you want to pull the believer in the church. Parce que vous voulez peut-être tuer des croyants en l'église. You know, many people they will answer. Vous savez, beaucoup de gens répondent. They are calling themselves the pastor, but they are not pastor from God. Ils sont même le pasteur, mais ne sont pas les pasteurs de they Dieu. They are doing the things. Ils font des choses. For their stomach. Pour leur estomac. You understand? Maybe he was a businessman. Vous comprenez, peut-être il était un homme d'affaires. He fell in the business. Il a échoué dans des affaires. Now he see now there is nothing to do. Maintenant il voit qu'il n'y a rien à faire. Let me start a church. Laissez-moi commencer une église. Because the church is paying. Parce que l'église paye. Brother, is God that paying? Frère, c'est Dieu qui paye. If God sends you, si Dieu vous envoie, you take care of you. Il prendra soin de vous. Even if you have a 5 believers, même si vous avez 5 brebis, you have a 10 believers, 10 brebis, you will be the pastor. Vous serez un pasteur. On the same level. Même niveau, like that one have 5,000 people. Comme celui qui a 5,000 personnes. You'll do the work of God. Vous ferez l'œuvre de regardless Dieu. Regardless what the devil is doing. Peu importe ce que le diable fera. Amen. You go on the street. Vous sortirez sur la rue. Preach the souls. Prêchant les âmes. Win the souls. Gagnant des âmes. God never sent us. Dieu ne nous a pas envoyés. To go somewhere and undermine someone. D'aller quelque part et minimiser or quelqu'un. Or criticize someone. Ou critiquer quelqu'un. Or tear down his reputation. Ou déchirer sa réputation. You break his reputation. Vous brisez sa réputation. Then the people can follow you. Afin que les gens vous suivent. What the man will sow, ce que l'homme aura semé, he will reap it. Va le moissonner. Alléluia. Alléluia. What you sow today, ce que vous semez aujourd'hui, you will reap it. Vous allez récolter cela. Alléluia. If Alléluia. You sow the disorder, si vous semez le désordre, you will reap a disorder. Vous allez récolter le désordre. If you sow the division, si vous semez la division, you will reap a division. Vous allez récolter la division. Alléluia. If you sow the hatred, si vous semez la haine, you will reap a hatred. Vous allez récolter la haine. Alléluia.
Alléluia. It's what the people are doing today. C'est ce que les gens font aujourd'hui. Alléluia. What you say to other person, ce que vous dites aux autres. It, for you it's good. Ah, pour vous c'est bien. Alléluia. You know, God, I never believe. Moi, je n'ai jamais cru. That a servant of God can be proud. Que un serviteur de Dieu doit être orgueilleux. No, you are proud. But that's the spirit that you inject in the church. Mais si vous êtes orgueilleux, c'est ça l'esprit que vous injectez à l'église. Alléluia. A servant of God is humble. Un serviteur de Dieu est humble. Because God himself is a humble. Parce que Dieu lui-même est humble. Praise be the name of the Lord. Que le nom du Seigneur soit béni. We say we have to respect the pastor. Ah, nous disons, devons respecter le pasteur. How you can say we have to respect the pastor? Mais comment vous allez dire que on doit respecter yourself, le pasteur? You don't respect your pastor. Vous-même, vous ne respectez pas les pasteurs. You don't respect the elders. Vous ne respectez pas les anciens. Alléluia. The people, les gens, who preach you the word, qui vous ont prêché la parole. Those people who raise you, ces gens qui vous ont élevé. You are nothing. Vous n'êtes rien. Alléluia. Those people that did something, ces gens-là ont fait quelque chose. By pour their vous, prayers, par leurs prières. By their supplications, par leurs supplications. They were praying God. Ils priaient Dieu. They even contribute everything that they have. Ils ont même contribué dans tout ce qu'ils avaient. For you to be what you are today. Pour vous être ce que vous êtes aujourd'hui. Those people they brought you even to the marriage. Ces gens même ils vous ont amené même au mariage. Oh brother. Oh frère, God, Dieu, will never let sin. Dieu ne laissera jamais un péché. Without the punish that. Sans punition. Hallelujah. Hallelujah. But I want to say, you have to respect your pastor. Vous devez respecter votre pasteur. You have to respect your pastor. Vous devez le respecter. Don't be like those people of what they say on the movie. Ne soyez pas comme ces gens du film. Whatever they are doing on the theater. Et tout ce qu'ils font dans le théâtre là-bas. No, brother. Non, frère. Don't follow them. Ne les suivez pas. What they are saying against the pastor. Ce qu'ils disent contre les pasteurs. Don't be like those politician people. Ne soyez pas comme ces politiciens. They know nothing about the Bible. Ils ne connaissent rien de la Bible. They are running after money. Ils courent après l'argent. They say liars against the pastors. Ils mentent contre les pasteurs. When they say lies about one pastor. Quand ils disent un mensonge contre un pasteur. What about other pastors that are living a godly life? Mais qu'en est-il des autres pasteurs qui vivent une bonne vie? You see what the devil is doing today. Vous voyez ce que le diable fait aujourd'hui. But the Bible says you have to respect your pastor. Mais Paul dit vous devez respecter votre pasteur. Regardless whatever the people say. Peu importe ce que les gens diront. In the preaching they respect. Dans la prédication le respect. Preach on the 15 October 1961. Prêchez le 15 octobre 1951. 15 October 1961. Le 15 octobre. Quote 165. Paragraph 65. And I'm just pushing. Then I can say what I'm saying. Je pars vite en fait que je dis ce que. He said, if you can't respect the man, il dit, si vous ne pouvez respect pas the office he holds in God. Respectez l'office qu'il tient en Dieu. Let's just hold on that. This. Restons un peu ici. If you don't you can't respect the man. Si vous ne pouvez pas respecter l'homme. But if you know that he's interpreting in the church. Mais si vous savez qu'il interprète à l'église. Respect the office that he's doing. Respectez l'office qu'il fait. And God will respect you for doing that. Et Dieu vous respectera en faisant cela. If you can't respect Pasteur Jacques. Si vous ne pouvez pas respecter Pasteur Jacques. As a man. Comme l'homme. Respect what he's doing as an office. Respectez l'office qu'il remplit. He's only that office. For God. C'est l'office qui vient de Dieu. But I say that exactly right. Ça c'est exactement. Respect him. Respectez-le. If a minister comes up, si un ministre vient, your pastor always respect him. Votre pasteur respectez-le toujours. I've heard congregation talk about their pastor. J'ai entendu la congrégation parler de leur pasteur. Congregation. La congrégation. Talk about their pastor. Parler de leur pasteur. How just talk about him? Comment juste parler à propos de lui? Run him down. Les descendants ridicule him. Le ridiculisant. How is that pastor ever going to do everything for you? Mais anything for you? Comment est-ce que ce pasteur fait quelque chose de bon pour he vous? He can't do it. Il ne peut pas le faire. You don't. Vous ne pouvez pas. I don't say this church. Je ne dis pas que cette église. But I mean churches I've seen. Je dis que les églises que je vis. You have got to love your pastor. Vous devez aimer votre pasteur. A true believer. Un vrai croyant. Respect the pastor. Respecte le pasteur. Love his pastor. Et aime son pasteur. He had a faith in his pastor. Il a la foi à son pasteur. Hallelujah. He believed in his pastor. Il croit à son pasteur. Hallelujah. Hallelujah. You've got to love your pastor. Vous devez aimer votre pasteur. You've got to know that he's a human being. Vous devez connaître qu'il est l'être humain. But yet God is the Holy Ghost. But yet God. Mais pourtant Dieu.
As the Holy Ghost has made him overseer. Comme le Saint-Esprit l'a fait de lui surveiller. You have got to respect him in that manner. Vous devez le respecter cette manière. No matter what the pastor's done. Peu importe ce que le pasteur a fait. If you respect him in your heart, si as vous God le respectez servant, dans votre cœur comme serviteur de Dieu, God will respect you for doing it. Dieu va vous respecter en faisant cela. No matter. Peu importe what the pastor's done, ce que le pasteur a fait. If you respect him in your heart, si vous le respectez dans votre cœur, as a servant of God, comme serviteur de Dieu. Brother said, God will respect you for doing it. Bonhomme dit, Dieu va vous respecter en faisant cela. He said, he that received me, il dit, c'est lui qui me reçoit. Receive he that sent me. Reçoit celui qui m'a envoyé. Jesus said, Jésus a dit, he that don't receive me, c'est lui qui ne me reçoit pas, can't receive him, ne peut pas le recevoir. See, they say God was their father. Voyez, il disait que Dieu était leur père. He said, your father is the devil. Il a dit, votre père le diable. He said, so you see, il dit, vous voyez, you have got to respect it. Vous devez le respecter. Believe it. Le croire. Believe that is. Croire qu'il est. Martha. Martha. And Mary. Et Marie. They respect the Lord Jesus Christ. Ont respecté le Seigneur Jésus Christ. Although Jesus didn't answer the invitation. Bien que Jésus n'a pas répondu à leur appel. He went far. Il est allé loin. They sent again the people. Ils ont envoyé les gens pour les Jesus chercher. Jesus went far. Jésus est allé très loin. But on the fourth day. Mais le quatrième jour. When Jesus came back in the quand country. Quand Jésus est retourné. He came back in town. Il est retourné en ville. Martha and Mary. Martha et Marie. They respect him. L'ont respecté. They said, Lord. Dit Seigneur. If you were here. Si tu étais ici, alléluia. Our brother Lazarus, notre frère Lazare, should not die. N'allait pas mourir. But although we have a confidence, mais bien que nous avons la confiance, although we believe, nous croyons. Whatever you say, tout ce que vous demandez, God will grant it. Tout ce que vous demanderez à Dieu, Dieu va l'accomplir. And brother Branham said, faut Branham dit, if Martha and Mary, si Martha et Marie, they undermine the Lord Jesus Christ. Vous minimisez le Seigneur Jésus Christ. Because he didn't come to the invitation. Parce qu'il n'est pas venu à leur appel. God will never bless them again. Dieu n'allait pas bénir cette maison. Listen. Écoutez, another quotation. Écoutez une autre citation. About the respect. Concernant le respect. And the confidence. Et la confiance. Believe thou this. Crois-tu cela? Preach on the 16th July 1950. C'est le 16 juillet 1960. E71. No. 16 July. Le 16 juillet. 50. 1950, yes. E71. That the reason, friends. C'est la raison I'm pour out of time. And now, if you sent to your pastor, si vous dites à votre pasteur, he didn't come and pray for you. Si vous avez appelé votre pasteur, n'est pas venu. When you were sick, pour vous, pendant que vous êtes well, you say, alors vous allez dire, they're all hypocrites. Ah, c'est vieux hypocrite. I will go over and join Jonas Church. Et je sortirai aller joindre l'église de Jonas. Somebody's. Quelqu'un. That the reason your pastor can't do nothing for you. C'est la raison pour laquelle le pasteur ne peut rien faire pour vous. You have got to have faith in him. Vous devez avoir foi en lui. And confidence in him as a man of God. Et la confiance en lui comme l'homme de Dieu. Know that all things work together for good to them that love God. Connaissez que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. That's right. C'est juste. Now your pastor didn't tell me to say that. Maintenant votre pasteur ne m'avait pas dit de dire ça. You send the pastor. Vous appelez le pasteur. Oh, there is anything the pastor didn't come. Oui, il y a quelque chose le pasteur n'est you pas say, venu. You say, oh, the old hypocrite. Vous dites ah, c'est vieux hypocrite. I will go over there. J'irai là-bas. Choose another church. Et choisis une autre église. That's why the people they're moving. C'est pourquoi les gens sortent. Today is there. Aujourd'hui il est after ici. There. Après le lendemain, after il is there. Là-bas. L'autre jour after il est there. Là-bas. Et le lendemain he's il est là-bas. Not stable. Il n'est pas stable. Amen. A stable person, une personne stable, he cannot move, ne peut pas être balloté, without a right reason, sans une bonne raison. If the pastor preached the gospel, si le pasteur prêche you have to stand. Vous devez rester là. But I'm saying, but I know this. Mais je sais ceci. You have got to have a confidence in the man you are dealing with. Vous devez avoir confiance avec l'homme que vous coopérez. Oh, it won't do you any good to do any dealing. Ou cela ne vous fera rien de bon. That's true. C'est juste. You have got to believe your pastor. Vous devez croire votre pasteur. He's a good God-saved man. Il est un bon homme envoyé de Dieu. Preaching the gospel. Prêchant l'évangile. Stand behind me with everything you got. Restez derrière lui avec tout ce que vous avez. There also is another problem. Là aussi, il y a un autre problème. No, I'm in the church. Oh, je suis dans l'église. But you don't support the church. Mais vous ne soutenez pas l'église. You don't support your pastor. Vous ne soutenez pas votre pasteur. You let your pastor suffering. Vous laissez votre pasteur souffrir. No. No. Brother, frère, you have to support him. Vous devez le soutenir. If he isn't,
Go somewhere where they do it. Si cela n'est pas le cas, allez quelque part ailleurs. Là, on fait cela. That clear it up for both sides. Cela vraiment arrange les deux côtés. Now remember this. Rappelez-vous ceci. If he preach the gospel, s'il prêche l'évangile, stay with him. Restez avec lui. Help him. Aidez-le. Because he's a man sent from God. Parce qu'il est l'homme envoyé de Dieu. Order of God to feed your soul. Ordonnez de Dieu pour nourrir votre âme. Alléluia. Alléluia. If he's a man of God, s'il est l'homme de Dieu, you have to support vous him. Vous devez le soutenir. You have to stand. Vous devez rester. Believe in him. Croire en lui. Support your pastor. Soutenez votre pasteur. Alléluia. Alléluia. Brother and sister. Frères et sœurs. Don't ever leave your church. Ne quittez pas vos églises. No, you can't leave your church. Vous ne pouvez pas quitter. Doesn't l'église. Matter there is any problem. Peu importe, il y a un problème. Stay with your pastor. Restez avec votre pasteur. Do everything you can. Faites tout ce que vous pouvez. In your local church. Dans votre église locale. By following the Bible instructions. En suivant les instructions de la Bible. It's what the William Meyer Branham said. C'est ce que William Meyer Branham dit. In the preaching the water of baptism. Dans la prédication les eaux de baptême. Preached on 29 March 1959. Prêché le 29 mars 1959. 65. He said, "Don't never leave your church. Ne quittez jamais vos églises. Stay with your pastor. Restez avec votre pasteur. Do everything you can. Faites tout ce que vous pouvez. In your own local dans church. Dans votre propre église locale. But following the Bible instructions. En suivant les instructions de la Bible. Alléluia. Alléluia. Oh no, brother, you see. Oh frère, vous voyez. You see, brother. Vous voyez, frère. The pastor. Le pasteur. No. No. There is something wrong. Là, il y a quelque chose qui. Especially when someone is living sin. Cela veut dire que quelqu'un vit dans le péché. Special when someone is living sin. Plutôt spécialement quand quelqu'un vit dans the le péché. The people thinks. Les gens pensent. Sin is only sleeping with the woman. Le péché c'est sortir avec des femmes. Or lying, no. Ou mentir, the non. Sin means. Le péché veut dire. You miss the goal. Vous manquez le but. Amen. When you miss the goal. Quand vous manquez le but. Is a sin. C'est ça le péché. When I say the sin. Faut dire le péché. Is the unbeliever. C'est l'incrédulité. How can you say you believe Brother Branham? Comment pouvez-vous dire dire que vous croyez Frère Branham. You reject the quotation that Brother Branham said. Vous rejetez la citation que Frère Branham dit. Oh, the pastor want to get the position. Oh, le pasteur veut prendre la position. No. No. We say what the pastor, what Brother Branham say. Nous disons ce que Frère Branham dit. I will say the same help for the believer. What Brother Branham say for the believer. Je dirai de la même chose qu'on Frère Branham dit concernant les what croyants. What the deacon have to do. Ce que le diacre doit faire. Amen. Even you got some revelation. Même si vous avez une révélation. Oh, God told me, brother. Dieu m'a dit, c'est si I have to go to United States. Je dois aller aux États-Unis. You know a dream. Vous savez, j'ai eu un rêve. And the Lord told me. Et le Seigneur m'a dit. I must stay at home. Je dois rester à la maison. 2 weeks. Deux semaines. Fasting and praying. Jeûnant et priant. You must see your pastor. Voyez votre pasteur. Before anything you have to do. Avant que vous fassiez quoi que ce soit. Oh, the Lord told me. Oh, le Seigneur m'a dit. That this day, aujourd'hui, I must consecrate myself. Je dois me consecrer. For 1 month, I'm not going to the church. C'est pourquoi je ne pars pas à l'église. For 1 month. Pour un mois, je ne pars pas à l'église. The Lord told me. Le Seigneur m'a dit. And convinced me. Il m'a convaincu. I must pay my tithe to the voice of God. Que je dois payer ma dîme à la voix de Dieu. Brother Branham say. Frère Branham dit. For each every revelation. Pour chaque révélation. You have to see your pastor. Vous devez voir votre pasteur. Many people, beaucoup de gens, they are doing God's work without His will. Ils font le travail de Dieu en dehors de sa volonté. Listen, the preacher, Revelation chapter 4, part 3. Apocalypse chapitre 4, partie 3. We call it throne of mercy. On appelle ça le trône de miséricorde. Preaching on the 8th January 1961. Prêché le 8 janvier 1961. Paragraph 8. Paragraph 8. And Brother Branham said this. Frère Branham dit. Listen. Écoutez, for each every revelation you have to see your pour pastor. Chaque révélation, vous devez voir votre pasteur. And the 8th January 1961, le 8 janvier 1961, paragraph 8. We sure have enjoyed this time of fellowship around the word of God with you fine people. Et nous sommes sûrs que nous devons joindre ce réveil. We sure have enjoyed this time of fellowship nous around the world. Sommes sûrs d'être contents avec ce temps de réveil à travers le monde. Of God with you fine people. De Dieu avec vous de bons hommes. I thought that you will be faithful now. Et je pense que vous serez fidèles maintenant. And come to church. Et venez à l'église. Obey the teaching of the Bible through all gallant brother here.
Ou paye tous les enseignements par ces gens galants ici. Brother Neville, which I highly recommend as a servant of the Lord God. Frère Neville, auquel je donnais recommandé comme serviteur du Seigneur. Moving on deeper and deeper with God. Et en allant en profondeur avec Dieu. And I'm happy for that. Et je suis dans la joie pour ça. The little church, petite église, I admonish you. Je vous admonish you. Je vous conseille. In the name of the Lord Jesus, au nom de Seigneur Jésus, to grow in the grace of God, de grandir dans la grâce du Seigneur. Hold yourself steady and look toward Calvary all the time. Soyez ferme et regardez toujours à travers le calvaire à tout taking moment. All the root of bitterness out of your heart and soul. En enlevant toute la racine d'amertume de vos cœurs et tout et ainsi de suite. God may use you at any time. En fait que Dieu vous utilise à n'importe quel moment. If you ever feel to do something. Si vous avez senti de faire quelque chose. No, I'm free. Ah, je suis libre. I'm a major person. Ah, je suis déjà âgé. I can do whatever I want. Je peux faire ce que je veux. Listen what Brother Branham said. Écoutez ce que Branham dit. If you ever feel to do something. Si vous avez senti de faire quelque chose. Or a revelation. Ou une révélation. Or something come to you strangely. Ou quelque chose strangely. Vous venir à vous d'une manière étrange. Something warningly or something. Quelque chose avertissant ou quelque chose. But be careful. Faites attention. Satan is as sly and slick as he can be. Satan est tellement très rusé comme il peut l'être. See? Voyez? Put it with the word of God and consult your pastor. See? Mettez cela avec la parole de Dieu et consultez votre passé. Voyez. Something that come in you like a revelation. Quelque chose que vous avez comme une révélation. Amen. You feel to do something. Vous sentez faire quelque chose. It's come like a revelation. Cela vient comme quelque chose d'étrange. See your pastor. Voyez votre pasteur. Madame dit, consult your pastor. Madame dit, consultez votre pasteur. Don't go inform your pastor. N'allez pas informer votre pasteur. Vous voyez. And I did. This, j'ai fait God ceci, told me, le Seigneur m'a dit, but I want just to inform you. J'aimerais juste vous informer. No, brother. No, frère. He mustn't do like this. Cela ne peut pas être. Pastor, I want to go to get married in Cape Town. Allez, pasteur, je vais aller me marier à Cape Town. You made everything, you prepare everything. Vous avez fait tous les arrangements. No, you have to consult your pastor. Vous devez consulter premièrement votre pasteur. Yeah, even the marriage is a consultation. Même pour le mariage, vous devez consulter. You must le speak to your pastor. Vous devez parler à votre pasteur. Praise be the name of the Lord. Que amen. Le nom du Seigneur soit béni. Listen, the same preaching quote 162. C'est la même prédication, paragraphe 161. Brother Branham said this. Faut Branham dit ceci. I'm starting from the beginning. Now, turn with me right quick to Ephesians 5. Maintenant, tournez avec moi rapidement à Ephésiens 5. Just hold your place. Et soyez en go back endroit. Just a few pages back to Ephesians, the fifth chapter. Retournez un peu dans Ephésiens chapter 5. The 26th verse. Et le verset 26. That he may sanctify and cleanse it. Afin qu'il le sanctifie, le purifie. The church is speaking of. L'église qu'il parle à propos. See now, let me go back a little further than that. Laissez-moi encore aller un peu plus. Go back about the 21st verse. Et retournons en verset 21. Why we are looking. Pendant que nous cherchons. Submit yourself one to another in the fear of God. Soumettez-vous les uns les autres dans la crainte du Seigneur. Submit yourself. Soumettez-vous. Now, what am I saying? Faut Madame dit. Congregation, la congrégation, submit yourself to your pastor. Soumettez-vous vous-même à votre pasteur. Amen. Amen. Pastor, submit yourself to your congregation. Pasteur, soumettez-vous à votre congrégation. If a little clique rise up, s'il y a quelque chose qui se lève, don't be on the other side. Ne soyez pas de l'autre côté. Si un clan se lève. Don't be on either side. Ne prenez pas part. Submit yourself to the whole congregation. Soumettez-vous à toute la congrégation. Congregation, if you start in a clique. La congrégation, si vous commencez à faire quelque submit chose. Submit yourself to your pastor in the fear of God. Soumettez-vous même au pasteur dans la crainte du Seigneur. Oh, brother. Oh, frère. You see, but what I'm saying, consult your pastor. Even if you had any revelation, même si vous avez une révélation, or something's coming onto you on the strange way, ou quelque chose qui vient à vous dans une manière like a warning in dreams, comme un avertissement, or in the visions, une vision, especially the gifted people, spécialement les gens qui ont les dons, they are conducting themselves as they want. Ils se conduisent comme ils veulent. A sheep doesn't know the way.
La brebis ne connaissent pas la route. The shepherd that leading the sheep. C'est le berger qui conduit la brebis. A sheep cannot say, I know everything. La brebis ne peut pas dire, je connais toutes choses. No, brother. Non, frère. A sheep is led by the shepherd. La brebis est conduite par le berger. The believer is led by the pastor. Les brebis sont conduites par le berger. A sheep doesn't have a right. La brebis n'a pas son droit à lui. No, it's God that has a right. C'est Dieu qui a le droit. It's God who knows. C'est Dieu qui connaît. What you have to do with that sheep? C'est qu'il doit faire avec la brebis. And when God put you in the hand of the pastor, et quand Dieu vous place entre les mains du pasteur, He gave that pastor everything for your soul. Il a donné à ce pasteur tout pour votre âme. Oh, today I'm speaking about the pastor. Oh, aujourd'hui je parle du pasteur. You may know that they are the person that they are suffering for you. Afin que vos compagnons sont les hommes qui souffrent pour vous. At night you can sleep. La nuit vous vous dormez. At night. La nuit. The pastor could not sleep. Le pasteur ne peut pas même dormir. He's praying for you. Il prie pour vous. Sometimes he's driving. Parfois même il conduit. At night. La nuit. To go because one brother is sick. D'aller visiter un frère qui est malade. Because there is a problem somewhere. Parce qu'il y a un problème quelque part. In the couples. Dans le couple. In the families. Dans une famille. The pastor have to go there. Le pasteur doit aller là-bas. He's the one who is praying for you. C'est lui qui prie pour vous. Today, if you are delivered, aujourd'hui si vous êtes délivré, c'est because of that pastor. C'est à cause de ce pasteur. And afterwards, et après cela, yes, they know, you know, it's my right. Non, c'est mon droit. No, you know, it's following my money. Non, il suit mon argent. Which money are you talking about? Mais quel argent vous parlez? God got the right. Dieu a le droit. To take all the money that you have. Et ravir tout l'argent que vous avez. If you disrespect his son. Si vous ne respectez pas ses serviteurs. Alléluia. Alléluia. Brother and sister. Frères et sœurs. Remember those children. Rappelez that they were laughing about Elisha. Rappelez-vous de ces enfants qui se moquaient. They were killed by the bears. Ils étaient tués par des ours. Don't play with the servant of God. Ne jouez pas avec le serviteur de Dieu. Amen. Don't take the pastor like your friend. Ne prenez pas le pasteur comme votre ami. You do anything. Et vous faites tout. Amen. You insulting the pastors. Vous-même insultez les pasteurs. You are insulting the family of the pastor. Vous insultez même la famille du pasteur. When you come in the church, mais quand vous venez à l'église, you are a poor person. Vous êtes une personne pauvre. You are the pastor praying for me. Vous venez là, pasteur, prie pastor pour praying moi. For me. Pasteur, priez pour moi. And the pastor is taking care of et you. Et le pasteur prend soin de once vous. Once someone is blessed, une fois la personne est bénie, he have to get, is going to rent the house there in Centrum. Là maintenant, il peut aller louer. Not the pastor is nothing. Ah, le pasteur rien. You see, vous voyez, you pay what you are doing. Vous allez payer pour ce que vous faites. But what I'm saying, for what I'm saying, even for the little things, même pour des petites choses. Oh, this is a little things. A dit, ah, I have also to see the pastor. Ah, tu as encore aller voir le pasteur. Oui, allez voir le pasteur. It's what Barabanam. C'est ce que for what I'm saying. The little things see the pastor. Voyez le pasteur dans des petites choses. After all, he's your shepherd. Après tout, il est votre berger. There's a preaching the Jezebel religions. Dans la prédication, la religion de Jezebel. Preached on the 19 March 1961. Prêchez le 19 mars 1961. Quote 19. Paragraph 19. What am I saying? For madame dit ceci. There's been so many things you have done for me. Il y a beaucoup de choses que vous avez fait and pour moi. And saying to the church, and I appreciate it. J'apprécie cela. Now, if I can help you toward giving you a prayer cloth or something. Si je peux vous aider en vous donnant une prière ou une habit prière à propos. Now, don't ask me doctrine. Alors, ne me demandez pas because I don't desire to do that. Parce que je le désire de faire ça. So many people write me questions about marriage and divorce. Beaucoup and so de gens m'écrivent concernant les mariages et divorces. Which is a target in the church. Qui est la cible dans l'église. I always refer them back and say. Et je les réfère toujours en retour, disant. Ask your pastor. Allez demander votre pasteur. This is Brother Branham. Ça c'est Frère Branham. Our prophet. Notre prophète. They ask him the question by another believer. On lui a posé la question chez une autre brebis. For another church. Pour une autre église. He said, ask your pastor about the marriage divorce. Il a dit, va poser cette question à votre pasteur concernant le mariage. Don't follow the pastor in YouTube. Ne suivez pas le pasteur sur YouTube. Ask your pastor that question. Pose cette question à votre pasteur. He said, no, brother. Dis frère. And Brother Branham said. Frère Branham a dit. It's your revelation. C'est votre what révélation. Kind of revelation? Quelle révélation? You have to consult your pastor for any revelation. Vous devez consulter votre pasteur pour chaque révélation. People wrote me letter here and say. Les gens m'ont écrit des what about this? Qu'en est-il ceci? What about that? Qu'en est-il de ça? I refer the letter back. J'ai retourné la lettre. You'll get it. Vous l'aurez. See your pastor on the little thing. Voyez votre pasteur dans des petites choses.
But what Branham said? Qu'est-ce que Frère Branham a dit? On the little things, see your pastor. Dans des petites choses, voyez votre pasteur. Because after all, parce qu'après tout, he's your shepherd. Il est votre berger. See? Voyez? He's the one that God sent to watch over you. Il est celui que Dieu a envoyé pour veiller sur vous. We may disagree upon it. On peut être en désaccord sur ça. And then that causes confusion in your church. Et cela amène la confusion dans votre église. We don't want that. Nous ne voulons pas cela. No, no. Non, non. We just want you quit doing things that is sinful. Et nous voulons que vous stoppiez à faire des choses qui a trait au péché. Things out of the Bible. Les choses qui sont hors de la Just Bible. Just keep moving on toward God. Et continuez à avancer vers Dieu. If you cause the little friction and things like that. Si vous causez des petites frictions et toutes ces choses là. That upset the church. Qui amène l'église à être ballottée. So that upset the church. Qui dérange l'église. So I'd rather your pastor tell you about marriage and divorce. Il serait mieux que votre pasteur vous dise concernant les mariages et divorces. These things and them things. Ces choses ici et ces choses là. Let him do it. Qu'il les fasse. He is God's servant too. Il est aussi le serviteur de Dieu. He is equipped to do that. Il est occupé de faire ça. For the marriage and the divorce. Pour les mariages et divorces. Your pastor have to tell you. Votre pasteur doit vous le dire. Because he is equipped for that. Parce qu'il est bien équipé pour ça. Amen. For the doctrine. Pour la doctrine. The pastor have to tell le pasteur doit vous le dire. Amen. Amen. Now let's speak about the position of the pastor in the church. Maintenant parlons de la position du pasteur. You know, in the church, vous savez, dans l'église, the pastor is the head. Le pasteur est la tête. The full head in the church is the pastor. L'autorité suprême de l'église c'est le pasteur. There's no two heads. Il n'y a pas deux têtes. When someone has a two head, quand quelqu'un a deux têtes. He had two opinions. Il a deux opinions. You can't have two leaders. Vous ne pouvez pas avoir deux conducteurs. One in South Africa. L'un ici en Afrique. One in Zimbabwe. L'autre en Zimbabwe. One in South Africa. L'un ici en Afrique. Another one in United States. Et l'autre aux États-Unis. One in South Africa. L'un ici en Afrique. Another one there in Nigeria. Et l'autre au Nigeria. No, if you have two heads. Non, si vous avez deux têtes. You are a monster. Vous êtes un monstre. There's not a little pastor. Il n'y a pas un petit pasteur. There's not a big pastor. Il n'y a pas un grand pasteur. The pastor of five, the church of five people. Le pasteur qui a cinq croyants. If it's the Lord who established you to be the pastor, si c'est le Seigneur qui vous a établi d'être pasteur là, he will take care of you. Il prendra soin de vous. You are the head. Vous êtes la tête. The pastor is the head. Le pasteur est la tête. In the church. Dans l'église. And what I'm saying is the full head. Frère Branham dit, il est l'autorité suprême. Not someone that is a half. Pas quelqu'un qui est à moitié. He's the full head. Il est l'autorité suprême. The church order. Lors de l'église. Preaching on the 7 October 1958. Prêché le 7 octobre 1958. Code 63 CD. Paragraphe 63 dit. Now to the pastor, to our brother Neville. Maintenant, au passé à notre frère Neville. At this time. Remember, he's the full head of the church. Il est l'autorité suprême de l'église. Brother Neville has the right to exercise any authority that the Holy Spirit will. Frère Neville a le droit d'exercer n'importe quelle autorité que le Saint-Esprit lui donne. Anything the Holy Spirit will tell him to say. Tout ce que le Saint-Esprit lui dira de dire. In other words, contrairement, in the church, dans l'église, he has the right to anything that God will lead him to do. Il a le droit dans tout ce que Dieu lui conduira à faire. He also has the right over his deacon board. Il a aussi le droit sur le comité de diacres. He can change the deacon board. Il peut changer le comité de diacres. The trustee. Les administrateurs. Or a pianist. Ou le pianiste. Or any other office in the church that he desires to change. Ou n'importe quel office qu'il désire changer en l'église. Feeling led by the Holy Spirit to do so. Sentant conduit du Saint-Esprit pour faire ça. Whatever he does, tout ce qu'il fait, I will recognize it. Je vais reconnaître as cela. He to be a godly man. Comme lui étant l'homme de Dieu. I will recognize it to be of the Lord. Je vais reconnaître cela que cela vient de Dieu. And will sanction the same. Et on va sanctionner de la même manière. Therefore, it gives him the authority then to operate the church the way he feels led to do it. Par contre, il donne l'autorité d'opérer l'église comme il est conduit de la. Now, or any office in the church. N'importe quel office dans l'église. That the desire ça, to switch position the people. Ça son désir de changer la position des gens. For he has the authority to the to that. Parce qu'il a l'autorité de faire cela. Which attests that this will always be lovely.
que je pense que je fais confesse ça sera and fait avec never vous. Have to be used. Et cela ne sera jamais utilisé. He is the full head of the church. Il est l'autorité suprême de l'église. The Bible says he's not the half. Dit, il n'est pas à moitié. He have the full authority. Il a l'autorité suprême. And the full and the complete authority of the church is the pastor. Et l'autorité suprême de l'église c'est le pasteur. He can change the position of the pianist. Il peut changer la position du pianiste. He can change the associate pastor. Il peut même changer le pasteur associé. He can change the deacon board. Il peut changer le comité de diacres. He can change the trustee board. Il peut changer le comité d'administrateur. He can change the office of the music. Il peut changer l'office de la musique. He can say, il peut dire, from today, à partir d'aujourd'hui, I don't want the people the altar to be here. Je ne veux pas que l'autel soit ici. And they put the altar there. Et on place l'autel là-bas. The pastor got that authority. Le pasteur a cette autorité. Hallelujah. It belongs to him. Ça lui appartient. He has to do that leading by the Holy Spirit. Il doit le faire conduit par le Saint-Esprit. There's nobody got authority here above the pastor. Personne n'a l'autorité au-dessus du pasteur. Even a bishop. Même le bishop. Nothing has authority above the pastor. Personne n'a l'autorité si le pasteur. Listen, brother. Écoutez, frère. The highest order in the church. L'ordre le plus élevé de l'église. Is the shepherd. C'est le berger. Is the pastor. C'est le pasteur. Is not the head. Cela n'est pas l'ancien. The highest order. L'ordre le plus élevé. The Holy Spirit. Le Saint-Esprit. Speak to the pastor. Parle au pasteur. And the pastor, et le pasteur, speak to the congregation. Parle à la congrégation. Our church is a sovereign. Notre église est souveraine. We don't have any bishop somewhere. On n'a pas un autre bishop quelque part. That giving us the order. Qui nous donne des ordres. No. Non. I don't have someone somewhere. Je n'ai pas quelqu'un quelque part. That can give me the order. You have to preach this. Il you have to preach des ordres. Prêche ceci. No, prêche we are not cela, a Catholic church. Non, non, non. Nous ne sommes pas l'église catholique. We are not a Protestant church. Nous ne sommes pas l'église protestante. We don't have an overseer somewhere. On n'a pas un surveillant quelque part. That can tell the pastor what to preach. Il peut dire au pasteur ce qu'il doit and how to do the things. Et comment faire les choses. Here is the Holy Ghost. Ici c'est le Saint-Esprit. That is leading the pastor. Qui conduit les pasteurs. The pastor. Le pasteur. Is in the connection with the Holy Ghost. Il est en connexion avec le Saint-Esprit. And God is leading me according to the word. Et Dieu me conduit conformément à sa parole. Blessed be the name of the Lord. Et le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. If someone take the authority out of the pastor, si quelqu'un ravit l'autorité or knock the revelation out of the pastor, et enlever la révélation du pasteur, now how the pastor going to work in the church? Non, comment le pasteur doit travailler dans l'église? No, the pastor must be free. Non, le pasteur doit être libre. To preach what the Holy Ghost put in his heart. De prêcher ce que le Saint-Esprit met dans son cœur. Amen. To lead the people. Pour conduire les gens. According to the leading of the Holy Spirit. Conformément à la conduite du Saint-Esprit. Amen. Amen. You know, in the preaching of the absolute, vous savez, dans la prédication de l'absolute, preaching on the 27 January 1963, prêché le 27 janvier 1963, court 167, paragraph 167. But I'm going to say, there's nothing higher in the Bible. Il y a rien qui est au-dessus dans la Bible. In the church, dans l'église, than the elder of that church. Que l'ancien de cette église. It's the sovereign church. C'est l'église souveraine. The Holy Spirit works in any way he wants to. Le Saint-Esprit travaille de sa manière. He dwells among his people. Il demeure au milieu de son peuple. But we have another absolute. Mais nous avons un autre absolute. Some general overseer somewhere. Quelque général surveillant quelque part. Tell us what we can do. Nous dire ce qu'on peut faire. And if it doesn't just cope with what they think, si vraiment il ne coopère pas avec ces choses, or some things like that, ou quelque chose comme ça, that's out, that's not of God. Et cela est hors de Dieu. What a horrible things it is. Quelle chose horrible cela est. What a twist we got into. Quel vraiment dérangement nous avons. No wonder we are out here crying for revival. Pas étonnant que nous crions du réveil ici. And the sky is full of Pentecostal power. Et vraiment, il y a plein de la puissance pentecôtiste. The sky is full of Pentecostal power. Le ciel yeah. Est plein de la puissance pentecôtiste. We can't get to it. On that's peut, right. On ne peut pas aller là-bas. It's because we have rejected God absolute. Parce que nous avons rejeté l'absolu de Dieu. The absolute in the church is the pastor. L'absolu dans l'église, c'est le pasteur. Hallelujah. The absolute in the age is the prophet. L'absolu de l'âge, c'est le prophète. If you reject the prophet, si vous rejetez le prophète, you reject God. Vous rejetez Dieu. If you reject your pastor, si vous rejetez le pasteur, you reject God. Vous rejetez Dieu. Question and answer. Questions et réponses. Law having a shadow. Preaching on 16
March 1954. Prêché le 16 mars 1964. E9. He said this. Il dit ceci. We believe in church government. Nous croyons à l'église, l'alliance l'église. In church government. Government. Alliance et l'église. No, we believe in church government. Nous croyons au gouvernement de l'église. Oh, nous croyons au gouvernement de l'église. The government is ordering of the Holy Spirit in the Bible. Le gouvernement est ordonné dans les Saintes dans les Bibles. The pastor is always the head of the church. Le pasteur est toujours la tête de l'église. Somebody can say amen. Quelqu'un peut dire amen. The pastor is always. Le pasteur est toujours. That God's elder. C'est l'ancien de Dieu. In organization, dans l'organisation, you have to come through the bishop. Devait venir à travers le bishop. Now the Bible. Maintenant la Bible. There's no higher order in the Bible than the elder of the church. Il n'y a pas l'ordre élevé dans la Bible que l'ancien de l'église. Just tell me where is it? Maintenant dis-moi là où c'est. There's no higher order in the Bible for the church than the elder. Il n'y a pas l'ordre élevé dans la Bible sauf que l'ancien. Which is the pastor? Qui est le pasteur? Is the highest order of the Bible. Il est l'ordre le plus élevé and de la Bible. The elder. Alors l'ancien. Don't receive any accusation against your elder. Ne recevez pas une accusation contre votre ancien. Unless it first be by two or three witnesses. À moins qu'il soit deux ou trois témoins. No matter what anybody say about the elder. Peu importe quelqu'un d'autre dit concernant l'ancien. That means your pastor. Don't you believe it until you have two or three witnesses. Ne le croyez pas jusqu'à ce que vous ayez deux ou trois témoins. Let the witness be tried first. Que ces témoins soient testés d'abord. And then if that elder has done something wrong and these three Holy Ghost witness has been tried and proved. Et si l'ancien fait quelque chose de mal, que ces trois témoins du Saint-Esprit ont été éprouvés, that they have really done something to the elder, et qu'ils ont réellement fait quelque chose à then l'ancien, go to the elder, et aller vers l'ancien, and that sin, et openly rebuke, parlez-les, see, réprimandez-les, that other may see and take heed, afin que les uns voient et prennent garde. The higher level in the church is the pastor. L'ordre le plus élevé dans l'église c'est le pasteur. Now the higher office in the local church is the pastor. Maintenant l'office le plus élevé dans l'église c'est le pasteur. You know the higher level? Savez-vous the higher order in the church is the pastor. L'ordre le plus élevé c'est le pasteur dans l'église. God is dealing with the pastor straight. Dieu travaille directement avec les pasteurs. The Holy Ghost dealing with the pastor. Le Saint-Esprit travaille directement avec les pasteurs. Amen. Amen. And the higher office. Et l'office le plus élevé. In the church, dans l'église, is the pastor. C'est le pasteur. Amen. Amen. In the local church, dans l'église locale, is the pastor. C'est le pasteur. It's not someone else. Cela n'est pas quelqu'un d'autre. Because he's always the head of the church. Parce qu'il est toujours la tête de l'église. Amen. Amen. The pastor is the head. Le pasteur est la tête. The pastor is the leader. Le pasteur est le conducteur. As long as led by the Holy Spirit. Aussi longtemps il est conduit par le Saint-Esprit. If he don't led by the Holy Spirit, s'il n'est pas conduit par le Saint-Esprit, is not the head. Il n'est pas la tête. You understand? Vous comprenez? That what the Bible tell us. C'est ce que la Bible nous dit. Amen. Amen. And then I will show you on Sunday. Alors le dimanche je vous montrerai. The criteria for the pastors. Le critère d'être un pasteur. Amen. Amen. And then we'll finish that on Sunday and we get now in the church. On va terminer cela le dimanche et nous allons maintenant entrer dans la partie de l'église. How the church must be. Comment l'église doit être. And after we get now for the deacon. Et après cela nous allons entamer celle du diacre. Because it's now the pastor. Maintenant c'est le pasteur. And the church. Et l'église. You understand? Vous comprenez? Because the deacon are also the member in the church. Parce que les diacres sont aussi membres de l'église. You cannot be deacon without to be a member in the church. Vous ne pouvez pas être un diacre sans pourtant être un membre de l'église. The higher order in the church is the pastor. L'ordre le plus élevé dans l'église c'est le pasteur. The higher office in the church is the pastor. L'office le plus élevé dans l'église locale there you c'est can le pasteur. See that. Et vous pouvez voir ça. The pastor can preach from the 1st January until the 31st December. Le pasteur peut prêcher du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Is the church of the pastor. C'est l'église pasteur. If you are the minister, si vous êtes ministre, the word is your
Le monde, c'est votre église. You have to go and win the soul. Vous devez aller gagner des âmes, amener des âmes. You must just wait. Pastor gonna give me the altar to preach the gospel. Le pasteur va me donner l'autel, va me donner la chaire. When I will preach, pastor will put the live stream. Quand je vais prêcher, le pasteur va mettre le. Then everybody has to see that. Sur YouTube, que tout le monde voit ça. No, brother. Non, frère. You must go and win the soul. Allez gagner les âmes dehors. Amen. And the pastor got the leading. Et le pasteur a la conduite. I can say this person have to preach. Je peux dire, c'est lui qui doit this prêcher. To preach. C'est lui qui doit prêcher. And this person mustn't preach. Et celui-ci ne peut pas prêcher. If you are a believer, si vous êtes un croyant, before you become a minister, you are first a believer in the church. Avant de devenir ministre, vous étiez d'abord un croyant dans l'église. We don't want the independent minister. Nous ne voulons pas des ministres intermédiaires. Independent. Des ministres indépendants. We don't want the believer independent. Nous ne voulons pas des croyants indépendants. Doing the things by their own. Ils font les choses d'eux-mêmes. No, brother. Non, frère. You must do the things according to what the Bible says. Vous devez faire les choses concernant conformément à ce que la Bible dit. God bless you, amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom. We shall stand up on our feet. Lève-nous. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Oh, thank you, Father. Amen. Thank you, Father. Amen. Thank you, Father. Siabonga Jesu, siabonga Jesu, alleluia, amen. Oh, siabonga Jesu, siabonga Jesus, siabonga Jesus, alleluia, amen. Oh, merci Jesus, amen. Thank you Jesus, amen. Thank you Jesus, amen. Alleluia. Let us bow our head and say a word of prayer to our God. Speak to the Lord after hearing the word. If there is some things looped, there is some loop in your life that you don't respect the authority established by God in the church, say, God, forgive me. I want you to help me to be a good sheep.
tes mains. Alléluia. Amen. Aussi à bon Jésus. Si à bon Jésus. Si à bon Jésus. Alléluia. Amen. Aussi à bon Jésus, si à bon Jésus, si à bon Jésus, alléluia. Shall we pray the Lord, our Heavenly Father, the Almighty Jesus? Father, we say thank you this evening. Père, nous disons merci ce soir. We praise your name. Nous glorifions ton nom. We glorify your name, Father God. Nous glorifions ton nom, Père. You are the Almighty God. Tu es le Dieu tout-puissant. You are the one who gathering us in this place. Tu es celui qui nous a réunis en cet endroit. In your presence, Father. Dans ta présence, Père. To be fed by your word. D'être nourri de ta you parole. Spoke you spoke unto our hearts. Tu as parlé à nos cœurs. About the order. Concernant l'ordre, about the head in the church, concernant la tête dans le about the mean, the office of the pastor, concernant l'office du pasteur, then we may, oh Father God, oh, en fait, oh, Père Dieu, respect that office, respecter cet and respect office, what the word says, Father. Respecter ce que la parole de Dieu oh, dit. Yes, we believe, Father, oui, nous croyons, Père, that in each every word that was proceeding in this place, que dans chaque parole qui est sortie de cet endroit, there is a blessing. Il y a la bénédiction. Father God, bless your children. Père Dieu, bénis. Bless our heart, Father. Bénis nos cœurs, Père. Bring us, O Lord, amène-nous, Père, to the respect, au respect of your word, de ta parole, to believe, de croire, and to act according to your word, et d'agir conformément à ta bless parole. Your children, Father God. Bénis tes enfants, whatever Père the devil brought, tout ce que le diable the a amené, evil spirit of disobedience, l'esprit de la désobéissance, in the mighty name of the Lord Jesus Christ, au nom du Seigneur Jésus we Christ, cast that away. Nous chassons cela. We pray, Father God, nous prions, Père Dieu, take the preeminence, prends le contrôle, take control of everything, Father, prends la prééminence, bless your children, Father God. Bénis tes enfants, Père Dieu. By obeying the word, en obéissant ta give parole, them their heart desire. Accorde-le le désir in Jesus Christ's name. Au nom du Seigneur Jésus. Father, we pray Père Céleste, nous that prions the Holy Spirit que le Saint-Esprit take control of their life. Prenne le contrôle de leur vie. In Jesus Christ's name. Au nom du Seigneur Jésus. Thank you, Father God. Merci, Père. And bless me, O oh Lord. Et bénis-moi, pour anoint Seigneur, me again. Oui-moi encore. Then I may then on the future day, let me be a blessing for your children. Bless Brother Guy that translated. Bless all the church, Father God. Let this word that you put in our soul be anointed by the Holy Spirit. Let it spread, O Lord, that by the fruit of the Holy Spirit, the obedience in the word, we may walk according to your word, Father. Bless your children. Bless the tithe. Bless the offering. Bless our going back home. And keep up safe, fair Father. Until we reach our home. Bless all the saints of El Shalom Tabernacle. Bless your children, Father. They came in this place. Certainly, Father. Certainement, they've got any need. Ils ont des besoins. Be the answer. Soit la réponse. Be the healer. Soit la guérison. Be everything for them. Soit toute chose. Be the provider. Soit le pourvoyeur. In Jesus Christ's name. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Glory and honor to your gloire name. Honneur à toi. In Jesus Christ's name. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. God bless you, amen. Que Dieu bénisse. Thank you. Merci. And I greet also all the brothers that they are following us in live stream. Je salue tous les frères qui nous ont suivis en ligne. Okay, we are closing our service. Nous terminons la réunion. And after singing, après let avoir chanté, me oh, bless the Lord in the way that